Et ça a marché! Le rec a fonctionné! L'enregistrement a débuté! Et je vais... arrêter de faire des rimes, oui. Et yo tout le monde, c'est The Mister Gamer, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, en tout cas, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 9e épisode sur Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. C'est parti, let's go! Donc rappelez-vous, la dernière fois qu'on s'était laissé, on s'était laissé sur le fait qu'on avait du coup montré notre balai à Hagrid. Et quand je dis balai, je parle bien d'un balai, non pas d'autre chose, bande de petits pervers que vous êtes. Et on a montré le balai à Hagrid, Hagrid nous a dit que Buck allait passer en cours martial, entre guillemets. Peut-être pas en cours martial, mais bon voilà. Et on allait chercher, voir s'il n'y avait pas des informations pour sauver Buck, entre guillemets, mais il n'y avait rien dans la bibliothèque. Ensuite on était revenu ici, Croutard, non pas du tout. Voilà, petite coupure, j'ai été interrompu vite fait. Donc ensuite on a eu quoi? On a eu, oui, on a eu, enfin on est revenu ici, on a eu le jeu des pétards surprise dans la grande salle. Ensuite on est revenu ici, il y a eu un match de Quidditch qu'on n'a pas pu voir, mais tout le monde en parlait, et apparemment c'était tellement exceptionnel que on arrive, voilà, que c'était, voilà. Et là il y a Ron qui s'est fait attaquer par, ça apparemment, Sirius Black qui avait apparemment un couteau et qui essayait de le tuer. Putain, mais c'est quoi cette merde? Voilà, et donc là du coup on avait donc Ron qui s'était réveillé en criant parce qu'il s'était fait attaquer, enfin Sirius Black voulait l'attaquer au couteau, d'ailleurs on voit les trucs du lit qui sont déchirés, donc voilà. Donc maintenant on va descendre. Je suis enchanté que Gryffondor ait gagné le match, mais tout cela devient ridicule. Oh putain, sa mère! Ron a fait un cauchemar, professeur. Ce n'était pas un cauchemar! Sirius Black se tenait devant moi! Un couteau! Et sa bite à la main! Professeur McGonagall, le chevalier du Catogan vient de me dire qu'il a laissé un homme entrer dans la tour de Gryffondor. Mais, le mot de passe! Apparemment, cet homme avait... enfin, les avait tous! Il était écrit sur un bout de papier! Bordel, mais qui est assez con pour écrire tous les mots de passe sur un bout de papier? Qui est le responsable? Eh bien, je crois que c'est moi en fait, parce que, bah, comme je suis trou du cul, bah, j'ai noté tous les mots de passe sur un bout de papier pour m'en rappeler, voilà, voilà. Je vois! Vraiment que des trous du cul dans ce dortoir! Bon, enfin bref! La grosse dame remplacera le chevalier du Catogan dès ce soir. La sécurité sera renforcée et je vous demande à tous d'être très prudents. Et maintenant, retournez au lit, je vous prie. Il faut vraiment être trou du cul pour noter tous les bouts de papier, enfin, les mots de passe sur un bout de papier et laisser traîner ça un peu n'importe où en fait. Du coup, on retourne se coucher. Je n'arrive pas à fermer l'œil, j'ai trop de choses en tête. Quelle nuit splendide. Tiens, Patoron, on dirait qu'il s'est trouvé un ami. Lol. Alors déjà un chien et un chat qui se baladent au calme, mais en plus c'est un loup-garou, en fait c'est Sirius Black, au KLM. C'est un chien noir. Alors j'adore parce que Ron a crié que justement, il avait vu Sirius Black avec un couteau. Et genre même pas, genre 2 minutes plus tard, et ben en réalité il se promène dehors avec un chat, enfin bref, dans la forêt, enfin bref. Allez, on va se recoucher. Un message d'Hagrid. Cher Harry, nous avons perdu le procès. Ils vont exécuter Bug. Hagrid. Oh non! Ils n'ont pas le droit. Bug n'est pas dangereux. Il faut que je parle à Ron et Hermione. Ron et Hermione, c'est horrible. Ils vont tuer Bug. Hagrid m'a envoyé un message. Ils veulent exécuter Bug. Non, ils peuvent pas faire ça! Allons voir Hagrid. Il doit être effondré. Le temps passe. Oui, allons-y. Ah ouais, d'accord, donc
Du moment où ils se sont dit « Allez, on y va », il s'est écoulé à peu près 6 heures avant qu'ils se disent « Ok, on y va ». D'accord. Super. Bah, vous savez quoi, la flamme de prendre les escaliers, j'ai passé par le passage secret. Alors. Donc du coup on va aller voir Hagrid. Et je crois qu'à partir de là, c'est là où je crois que c'est là où Ron. Alors je sais plus si c'est là où Ron. Oui c'est là je crois où Ron n'est plus. Enfin n'est plus. Ne sera plus avec nous de l'aventure. Enfin, on va bien voir. Bon déjà il se décide d'aller. What the fuck. Il se décide donc d'aller voir Hagrid en pleine nuit déjà. C'est pas très rassurant tout ça. C'est pas très rassurant tout ça. Hagrid. Quelqu'un doit bien pouvoir faire quelque chose, Hagrid. Dumbledore a essayé, mais il ne peut pas annuler une décision de la commission. Et puis, Lucius Malfoy a dû les menacer. On reste avec vous, Hagrid. Ah, Croutard. Squeak. Ah, Croutard, Croutard, qu'est-ce que tu fabriques ici? Ils arrivent. McNair, le bourreau, et Fudge. Il faut que vous partiez maintenant. Nous reviendrons, Hagrid. Ok, on s'en va. Oh mon dieu, c'est horrible. Et en plus, il y a le bruit de la guillotine, là. Enfin, du tranchage de tête. Vous avez entendu? On aurait dit... Oh non! Ils l'ont fait! Je n'arrive pas à y croire! Ils ont exécuté Buck! Comment ont-ils pu faire ça? Exécuter ce pauvre Buck? Croutard, tiens-toi tranquille! Squeak! Hey! Croutard m'a mordu! Eh oh! Pateron, non! Reviens ici! Ouah. À l'aide! Bah bordel, le chien noir, il emmène Ron! Il le tire vers la seule cogneur! Et Pateron, où est-il passé? À l'aide! Le chien a emmené Ron sous le seul cogneur! Si ce chien a pu passer, on y arrivera! Et là... C'est parti, combat contre le seul cogneur, bordel de merde. Alors déjà on va utiliser une baguette améliorée sur Harry Potter. Histoire qu'il fasse plus de dégâts. Donc on va utiliser quoi? Je pense qu'on va utiliser un crack-a-ba-doum. Un crack-a-ba-doum. Un crack-a-ba-doum. Ouais, ça va, ça fait du dégât. Par contre, lui aussi, il te fait du putain de dégâts. Niveau 50. Ah ouais, mais ça rigole plus, là. Les gars, niveau 50, je suis niveau 26, quoi. Est-ce qu'on en parle un jour? J'aimerais bien en parler, moi, en tout cas. On va voir un petit Glacius Duo, si ça marche ou pas contre lui. En principe, je pense que oui. Ah oui, 102. Harry Potter, attaque, crabadaboum. Oh, je pense que je vais le stun. Ouais, je vais le stun avec un petit Petrificus Totalus Uno. Je sais pas si vous avez remarqué, en ce moment j'arrive à prononcer correctement le nom des attaques. C'est plutôt un bon point. Alors. Ok. L'ennemi ne peut pas bouger. Ok, donc il va rester pendant deux tours immobile. Ça c'est bien. Allez. Hermione, Glacius Duo. Ouais. Harry Potter. Crabadaboum. Allez. L'ennemi peut à nouveau bouger. Voilà, je pense qu'on va pouvoir le finir. Finished.
Ah oui, ça fait du dégât, ça, attends. Ah bah c'est bon. Tu as gagné de l'expérience, merci. Harry Potter qui est passé au niveau 27. Hermione encore 5 XP pour passer au niveau 26, super. Chapeau en peau de botte feu chinois, très bien. Voilà une chose de réglée. Allons chercher Ron. Mais avant ça, nous allons... Ok, merci. Mais avant ça, nous allons équiper... non, pas elle. À Harry, nous allons équiper le chapeau chinois. Voilà. Dommage qu'on les voit pas porter les équipements sur eux. Bah bon, ouais, c'est un jeu Game Boy. Hein. Peut-être pas pouvoir afficher ça non plus. Allez, hop, on se dirige avec un petit Lumos. Hop, petit combat. Ah, les squelettes. On va utiliser la petite Informus. Histoire de le rajouter dans notre encyclopédie. J'allais dire Pokédex, mais pas du tout. C'est plutôt Pokédex. Ok. Ah oui, carrément, lui, il me lance sa tête. C'est ça leur attaque, j'avais oublié ça, tiens. Oh non, il m'a empoisonné, enfoiré. Ah merde. Ah non, il va pas empoisonné, il m'a stunné en fait. Il m'a stunné. Il m'a stun, on va dire. Ok, on passe par ici, on passe par là. Oh, foiré. J'ai pas envie de me battre. Parce que je sais que c'est un peu chiant à regarder en vidéo. Mais surtout parce que j'ai envie d'avancer dans l'histoire en fait, très sincèrement. Ok, c'est bon. Il faut retrouver Ron. Il voudrait peut-être mieux nous séparer. Et il voudrait, pas voudrait. Je vais prendre Mister Hermione. Ah oui, non, mais c'est pas ça le sort qu'il faut faire, c'est ça. Alors, là, il faut trouver des boutons. Enfin, là, il faut détruire, en fait, des caisses pour trouver les dalles, voilà, comme ceci. Et il y a des tonneaux qui sont piégés, et des mobs à l'intérieur, et en fait, ils vous foncent dessus et ils vous affrontent. Ok, c'est bon. Je vais faire un petit informus sur celui-ci. Oh, ça fait mal. On va fuir. Ah merde. Ah ouais, c'est vrai qu'après il va y avoir aussi un passage comme ça, il va falloir jongler dans la glace. Enfin jongler, pas jongler, mais il va falloir faire du patin roller sur la glace. Hop, Harry qui nous rejoint, celui-là fait le tour. Tu as trouvé quelque chose? Non, et toi? Rien, ils ont dû partir par là. Bon ben allons-y alors. D'ailleurs je me demande comment ils ont pu faire pour venir jusqu'ici, puisque toutes les portes étaient fermées, il y avait des passages qui étaient bloqués avec de la glace et tout, enfin bref. C'est par ici. Oui. Eh ben il y avait rien, c'est un troll. Là. Attends, t'esquive. On va reprendre Harry parce que je crois qu'il va falloir qu'il utilise un petit Lumos. Voilà, bingo. Tac. Tac. Et tac. Alors. De tête, il me semble que c'est celui du haut. Non. Mauvais choix. Il faut d'abord aller au milieu. Récupérer la valve. Voilà. Valve est désormais dans ton inventaire. En bas, je sais plus ce qu'il y a. Je crois qu'il y avait rien en fait. Moi, il y avait un mob.
Donc du coup là il nous fallait récupérer la valve, on a récupéré Hermione. Il nous fallait la valve pour pouvoir en fait simplement activer l'eau. Non pas ça, voilà. Donc là, du coup l'eau va couler. Et du coup on va pouvoir utiliser Glacius. On va pouvoir utiliser Glacius pour passer à travers. Et voilà. Et maintenant on va activer le levier qui était juste ici. Hop, voilà, on se tire. On va passer par là. On récupère Harry Potter. Parce qu'évidemment, sans Lumos, si on voit pas les passages secrets, eh bien on ne peut pas les utiliser. Voilà. Du coup, ça, je crois, ouvert ce passage-là. Et là maintenant il va falloir patiner, faire du patinage artistique pour pouvoir aller activer le dernier levier. Bon, moi je passe. Ah, je ne peux pas m'enfuir. Merci bien, au revoir. Moi je me tire et je continue mon aventure. Putain de bordel de merde. Allez, directement sur le squelette, évidemment. Putain de bordel. Oh là là. Oh là là, en plus il m'a bloqué quoi. Mais non, j'ai les deux qui sont bloqués, mais c'est une blague. Je perds du... Putain, réveillez-vous les gars. Oh là là, ça a passé comme une tour comme ça. Mais en plus elle... Oh putain. S'il me l'avait fait sur Harry, Harry serait encore stun et en fait il me les aurait tous stun les uns après, enfin sans cesse et j'aurais rien pu faire. C'est merveilleux. Voilà. Ok. Ok. Je sais pas comment j'ai fait pour passer là mais... J'ai réussi. Voilà. Du coup, on a activé tous les leviers. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a fait? Eh bien, ça a fait tout simplement jaillir de la glace ici. Ça va vous permettre de passer, du coup, de l'autre côté de la plateforme. Et voilà. Et là, nous sommes... Où sommes-nous? Je crois que nous sommes dans la cabane hurlante. Tu sais, la maison qui crie tout le temps, lol. C'est la maison la plus honte d'Angleterre. Ce serait une cachette idéale pour Black. Ron ne doit pas être loin. Il faut le retrouver. Ok, ben vous savez quoi? Je vais ouvrir ce coffre là. Ok. Et nous allons nous laisser là. Alors, rappelez-vous, on est passé par une porte et on atterrit. Enfin, on est arrivé dans une cheminée. Voilà, aucun rapport. Hein, mais bon, enfin bref. Donc écoutez, on va se laisser là pour cet épisode 9. J'espère qu'il vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater de mes futures vidéos. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour justement deux futures vidéos. C'était The Mr. Gamer. À vous les studios! Yeah!